On vit dans un monde de plus en plus digital. Ceci engendre une quantité incroyable de données. Ces données regorgent d'informations, mais évidemment, il faut aller chercher ces informations. Les entreprises doivent s'adapter de plus en plus, répondre aux besoins de leurs clients, connaître mieux la façon dont ils peuvent vendre leurs produits, mieux comprendre l'information, mieux analyser l'information. C'est précisément l'objectif de la formation en Junior Data Analyst. Vous, participants, apprendrez à utiliser des logiciels spécialisés et des techniques évoluées qui permettent d'extraire l'information disponible dans les données. Vous y apprendrez à communiquer cette information. Ces qualités techniques et communicationnelles d'un data analyst sont très recherchées sur le marché du travail. À la fin du certificat, vous maîtriserez les logiciels utiles pour vous lancer en tant que junior data analyst. Vous connaîtrez les bonnes techniques à utiliser et également les limitations de ces techniques. Vous serez capable de jouer l'interface entre le monde du business, de l'informatique et des statistiques. La formation se veut axée sur la pratique, de l'analyse de données sportives au suivi de stock et de vente d'une grande chaîne de magasins. La diversité des intervenants est l'un des plus gros atouts du certificat. Les cours sont donnés en alternance par des consultants SMCS, consultants externes et professeurs académiques. J'ai suivi un master en psychologie avec une option création de petites et moyennes entreprises. J'ai fait pas mal d'analyses statistiques, notamment avec un logiciel comme SPSS. Mais je trouvais qu'il y avait des limites à ce genre d'outils. Et c'est pour ça que j'avais envie d'apprendre à coder. Chose que, justement, le certificat de Junior Data Analyst offrait. Et donc, c'est ça qui a pu me permettre justement de me différencier et de décrocher un job. Ça, et le fait aussi que les employeurs cherchaient justement des personnes qui savaient aussi se débrouiller avec des systèmes de dashboarding, comme par exemple Power BI, Tableau. À la sortie du certificat, j'ai pu directement être engagé justement en consultance au niveau de la data analyse. De plus en plus, en tant que société de conseil, nous recherchons des personnes qui ont cette capacité de modéliser l'information, de la comprendre, de créer du sens. Nous avons recruté déjà 5-6 personnes de cette formation et ça fonctionne vraiment très bien. Le certificat représente 150 heures de cours et de mise en pratique. Il existe deux formules du certificat. Une formule intensive, en 3 mois, qui est organisée principalement pour les demandeurs d'emploi et pour des personnes qui finissent leurs études. Il existe aussi une autre formule qui vise davantage les personnes impliquées dans une activité professionnelle, organisée par modules répartis sur toute une année. Les cours sont dispensés exclusivement certains vendredis et samedis.